Mais bonjour à tous, ou en tout cas aux deux personnes qui sont avec nous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les PBX YesStar, ou plus ou moins, on va vous faire une démonstration d'une activation avec un téléphone et un trunk sur le PBX de la P-Series. Donc je vais vous présenter rapidement l'équipement lui-même, puis après, derrière, on fera la démo. Normalement, on en aurait pour à peu près une trentaine de minutes, 30 à 40 minutes, après dépendant des questions et des problèmes techniques, mais normalement, ça devrait le faire. Donc ici, on a le modèle P550, tout simplement. Donc, c'est une boîte assez petite, hein. Les P560 et P570 sont légèrement plus grands, mais bon, c'est pas, alors, en termes de form factor, c'est la même chose. Donc je vais sortir d'abord la boîte. Donc ici, la boîte qui vient avec, on va retrouver à l'intérieur donc le guide d'installation rapide, un câble d'alimentation, bon, hop, des petites ailettes si jamais vous voulez le mettre pour qu'il soit rackmount, et aussi un câble RJ45 pour la partie réseau. Donc ça, c'est pour les accessoires et l'équipement en lui-même. Donc là, ici, je vais enlever ça. On va avoir l'équipement. Donc là, la face avant. Donc vous avez deux connexions, une WAN et une LAN. Donc, en temps normal, on n'en utilisera qu'une sur les deux. Il peut y avoir des cas particuliers où on utiliserait les deux, mais à ce moment-là, ça va demander une configuration un peu particulière. Vous avez une connexion USB et les ports de connexion pour les téléphones ou les lignes analogiques. Et en arrière, on a la prise d'alimentation. Donc, c'est assez basique, hein, comme équipement. Pas grand-chose de particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais juste voir. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je les lirai au fur et à mesure et j'y répondrai. Donc là, la première chose qu'on va avoir à faire déjà, ça va être de saisir non pas de l'alimentation, mais notre cellulaire. Donc moi, j'ai mon téléphone ici. Alors, à savoir que tous les équipements YesStar possèdent en arrière du logo YesStar une puce NFC qui aide à la configuration. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, il faut se munir de l'application, vous le voyez ici, qui s'appelle Linkus de YesStar, qui est disponible sur Android, pardon, et iOS. Il vous faudra au minimum quand même en iOS un iPhone 8. Et pour les Android, là, tout le type de téléphone Android qui existe, mais ils doivent disposer d'une puce NFC pour pouvoir lire et écrire. Donc, je vais juste ouvrir l'application ici. Hop, revenir au début. Voilà. Donc, quand vous vous connectez sur l'application, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est la même application qui va vous servir à configurer le téléphone ou bien à être connecté à une extension, etc. Donc, l'application fait aussi bien la configuration que l'utilisation. Donc, quand on se connecte ici, on a en bas, je ne sais pas si vous voyez, un petit bouton marqué NFC. Donc là, l'application me demande d'aller lire. Voilà. Donc là, c'est avec NFC. Et voilà. Là, ici, j'ai les informations de base du système. Et je vais pouvoir aller modifier directement l'adresse IP pour le mettre dans le range de mon réseau ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Arnaud, Excusez-moi, peut-être j'ai reculer un un peu petit de peu ton cellulaire. Je ne sais pas cellulaire. avec la Ouais. lumière si vous voyez bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Donc, je vais juste aller modifier l'adresse ici. Donc, je vais la mettre sur une adresse ici. Je vais aussi changer
la partie gateway, puisque je vais en avoir besoin pour mon trunk. Voilà. Et donc, une fois qu'on a rentré nos paramètres IP, hop, là, ici, on a un petit message à verbe qui nous demande si on veut bien écrire sur la puce. Donc, oui. Et là, on me demande d'aller de nouveau. Refaire. On va refaire. Bon. Toujours quand on fait la démo que ça marche pas. Donc tout ça doit se faire sans alimentation. Bon, décidément. Je vais juste peut-être enlever la coque, ça va peut-être aider. Allez. Voyons. Bon. J'ai décidé qu'il ne marcherait pas, je vais recommencer à zéro. Là, on va revenir. Là. Donc là, ici, on a encore une fois les infos. Je vais le remodifier. Voilà. Donc là, si je scanne. Voilà. Donc là, si je vais sur mes infos. OK. Donc là, on voit que maintenant les informations, je ne sais pas si vous les voyez, les informations de réseau ont changé et j'ai donc le système qui est sur le bon réseau. Donc maintenant, je vais pouvoir le câbler. Alors, on va pouvoir le brancher. Hop. Et le câbler. Alors moi je vais le câbler dans le LAN. Après c'est à vous de voir là, pour la partie réseau. Normalement j'imagine que la plupart du temps ce sera dans un LAN. Donc là on va laisser le système démarrer gentiment. Ça prend à peu près 1 à 2 minutes pour que le système soit fonctionnel. Alors je vais juste me remettre à l'écran. Donc, si vous avez des questions déjà, alors bon, j'ai eu des petits soucis techniques, mais en général, ça fonctionne bien, c'est dû au téléphone, j'imagine. Mon téléphone n'est pas tout neuf, tout neuf. Mais sinon, en général, ça fonctionne assez bien. Donc, ça vous permet, avant même de démarrer l'équipement, bah, d'être sûr au moins de l'avoir déjà préprogrammé pour ce qui est de l'adresse. Comme ça, ben, vous n'avez pas à chercher, à modifier, changer les paramètres de votre télé, de votre ordinateur. C'est quand même assez pratique. Je vais juste à ce moment-là afficher mon écran. Donc, à la première configuration, le système va vous lancer un wizard pour l'installation. Donc, vous pouvez, si vous voulez, remodifier les paramètres LAN que vous avez déjà rentrés. Si jamais vous vous êtes trompé ou vous voulez remodifier, moi je vais les laisser tels quels. Donc voilà, le système va ensuite vérifier les connexions au réseau. Donc là, pas de problème. Il va ensuite vous demander donc, de créer un nom d'utilisateur. Donc de base, il vous donne admin. Bon, moi je vais le laisser tel quel. Vous pouvez ensuite rentrer un mot de passe pour votre système. On doit le rentrer 2 fois évidemment. Donc je rentre ici. À savoir que ce n'est pas une obligation, hein. Vous n'avez pas l'étoile de requis, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer.
fortement conseillé, évidemment, mais ça n'est pas une obligation. Et ensuite, on vous demande de rentrer une adresse email. Alors, pourquoi on vous demande de rentrer une adresse email? Bien, tout simplement parce que l'équipement peut vous envoyer des notifications en cas de problème, d'alarme, même d'événements. Donc, vous pouvez ici notifier les événements par rapport à l'adresse. Donc, vous êtes obligé de rentrer une adresse courriel, peu importe, à vous de voir avec vos futurs clients, laquelle devra recevoir les informations, ou si c'est vous-même qui recevrez ces informations. Donc, moi, je vais les décocher habituellement, mais vous pouvez recocher, puis choisir les éventuels événements ou alarmes que vous souhaitez vous envoyer par courriel. Donc, on va aller à l'étape suivante. Voilà, on va synchroniser en temps. Donc, nous, on est hop, ici, moins 5 Canada. On peut afficher l'heure d'été automatiquement. L'adresse NTP, donc moi, je ne la changerai pas. Je vais garder celle-là, sauf si vous en avez une spéciale. Et ici, la sélection jour, mois, année pour moi. Encore une fois, c'est vous qui choisirez. Donc voilà pour l'heure. Pour la langue, donc de base, le système est en anglais. Si vous souhaitez switcher en français, il va falloir télécharger la langue. Donc vous allez choisir ici. Voilà, on a le français de France. Désolé pour vous, il n'y a pas de français canadien, seulement celui de France. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc là, le système a téléchargé le pack de langues en français. Il vous suffira juste ici de cliquer par défaut pour que ce soit la langue française qui soit par défaut. Par contre, pour tout ce qui va être langage du courrier électronique, là, on n'a que trois langues possibles. Donc le chinois, le russe ou l'anglais. Je conseille fortement l'anglais, à moins que vous soyez fluent dans les deux autres langues. Mais sinon, je le laisserai tel quel. Ici, le nom du PBX. Donc moi, je l'appelle PBX Test. Vous l'appellerez comme vous souhaitez. Voilà, le prénom, nom avec espace entre les deux. Et ensuite, pour ce qui est de la tonalité, donc on va garder l'Amérique du Nord dans notre cas. Donc, voilà pour la configuration. Donc là, vous avez un rappel de toute votre configuration si jamais vous voulez modifier des paramètres. Là, pour moi, c'est correct. Et donc, je vais demander au système de redémarrer. Voilà, ça prend à peu près 2 minutes. Voilà, je vais peut-être vous remontrer, parce qu'on me dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, les différences entre le P550, 560 et 570. Donc, comme je vous disais, le P550 a un maximum d'extension de 50 pour 25 appels concurrents temps donné. Le P560 et le P570. Donc, vous pouvez aller monter jusqu'à 500 suivant le nombre de DSP que vous ajouterez dans le système. Et pareil pour le max des FXS et FXO. Donc, vous voyez, un P570, 12 FXS ou pardon, 16 FXO ou FXS possible sur le système. Donc ça, c'est vous retrouverez ce document-là qui est rattaché à l'infolettre qu'on vous a envoyée. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà consulté. Vous avez d'autres informations que je ne vais pas traiter ici, hein, notamment la partie plus donc la P-Series Cloud. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur le P-Series Cloud. En fait, c'est une application. Au lieu d'avoir le modèle P-Series, vous avez le logiciel P-Series qui s'installe sur n'importe quel serveur, sur une VM, et vous avez la même fonctionnalité que le P-Series standard. Et d'ailleurs, à ce sujet, Yester nous fait savoir qu'ils ont un webinaire la semaine prochaine, le mercredi 24. Si vous voulez suivre en ligne, ils ont un webinaire où ils vont démontrer un peu toutes les options qu'offre la P-Series Software comparée à la P-Series Standard ici. Encore une fois, donc ça aura lieu mercredi prochain s'il y en a certains d'entre vous qui seraient intéressés. Alors, je vais revenir à mon système. Donc voilà, mon système est revenu. J'ai la page de démarrage. Donc ici, je rentre le nom d'utilisateur, le mot de passe, je vérifie que j'ai le bon, voilà, et je peux donc me connecter à mon système. Donc de base, la langue, comme je vous ai dit, est en français, bon, sauf pour la partie ici du contrat. Le contrat est en anglais, malheureusement, mais bon, moi je ne vais pas vous faire le détail du contrat. Accepter.
Voilà. Donc, on arrive sur le système. Voilà, ici. Bon, je vais passer ces détails-là. Si jamais le système vous montre rapidement certaines fonctionnalités, pour le faire, pour la configuration de certains événements. Donc, nous, ce qu'on va juste faire ici, ça va être la configuration d'un téléphone et d'un trunk et de relier l'un à l'autre. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, pour ce faire, moi ici, j'ai un X4 de chez Fanville. Savoir que moi, j'ai testé avec pas mal d'autres équipements. Donc, ça fonctionne avec du Fanville, du Snom, du Yealink, évidemment, du GrandStream, etc. Donc, ça fonctionne avec tous les SIP, tous les téléphones SIP. Donc, pour le début, on va aller donc sur le menu extension et trunk et le menu extension. Donc, de base, quand vous vous connectez, le système a cinq extensions déjà créées. Les extensions standards, vous pouvez bien sûr les supprimer, les modifier à l'envi. Moi, ce n'est pas le but ici. Je vais juste connecter mon téléphone avec l'extension, mettons l'extension 1000. Donc, pour ce faire, je vais juste aller ici faire une modification. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller récupérer le nom d'enregistrement et le mot de passe pour pouvoir me connecter sur le téléphone. Donc, j'ai, comme je vous disais, mon téléphone Fanville ici. Pour ceux qui seraient déjà familiers avec le Fanville, donc je vais juste aller dans la partie SIP. Donc là, voilà, ici, mon téléphone attend l'enregistrement. Donc je vais lui rentrer, on va faire une copie du nom d'utilisateur ici, une copie du mot de passe. Là, je vais juste m'assurer que le reste est correct. Donc, l'adresse est bonne. Le port est bon. Voilà. Hop, je vais juste appliquer. Non. Merci. Voilà. Donc, là, automatiquement, vous voyez, le téléphone est enregistré. On peut aussi aller voir au niveau du PBX. Je vais juste retourner en arrière. Voilà. Là, ici, j'ai la petite icône qui apparaît avec l'adresse IP. Donc, mon téléphone est bien connecté avec le serveur. Donc c'est assez facile, hein. Pas grand-chose de plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres options, mais bien évidemment, à partir du menu de l'extension, ben, vous pouvez aller modifier la boîte vocale, les fonctions d'avancée, de renvoi d'appel, etc. Et aussi les connexions, donc comme je parlais tantôt, la connexion LinkUS, donc l'application qui permet d'avoir un téléphone Wiimote sur votre cellulaire. Donc tout ça se fait à partir d'ici. Mais tout ça, on le traitera sûrement dans un sujet d'un autre live, puisque dans les prochains mois, d'ailleurs, on profitera de ça pour faire certains lives sur certaines fonctionnalités du YesStar. Donc voilà pour l'extension. Maintenant, je vais donc créer un trunk. Je vais le mettre sur le trunk. Et donc, on va ajouter un trunk. Donc, la première chose, bon, on va lui donner un nom. Moi, ça va être facile. On va l'appeler test. Voilà. Fonction active. Okay. Donc, ce sera un type. Alors là, c'est traduit. Hein, c'est un trunk register, donc enregistrer le trunk. Pas une traduction, pas la meilleure traduction qu'ils aient pu trouver, mais bon, en tout cas, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est un register trunk. Donc, moi, je vais y rentrer l'adresse IP. Donc, l'adresse IP de mon serveur, ça va être ceci. Je vous cache, hein, les infos, mais là, ici le nom de domaine. Hop. Et ensuite, il me faut le nom d'utilisateur, le mot de passe
Et je sauvegarde. Donc là, actuellement, j'ai sauvegardé le trunk. Hop, juste pour y afficher. Voilà. Et donc maintenant, il faut appliquer mes changements. Donc là, le système va compiler tout ça. Hop, on va faire une modification. Et là, on voit que le statut vient de passer en orange pour attente. On va attendre qu'il passe au vert. Quand il sera au vert, ça suffira qu'il est enregistré. Et il me dit qu'il est enregistré. J'imagine que ça doit déjà être le cas. Hop. Juste revenir en arrière. Ça peut prendre un peu de temps à s'enregistrer ou en tout cas à afficher qu'il est enregistré, même si là, ici, il me dit qu'il l'est. Voilà. Bon. Là, ça a mis un peu de temps à s'afficher, mais bon. C'est à peu près le délai standard. Donc là, maintenant, mon trunk est enregistré. Donc maintenant, ben, ça va être tout simplement de lier l'extension au trunk. Donc pour ça, on va aller dans le contrôle des appels pour faire le routage entrant et le routage sortant. Alors de base, évidemment, il y a toujours un default inbound, donc l'appel entrant. Donc là, actuellement, il va sur un SVI. Bon, moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais aller modifier ça. Donc là, pareil, on peut le faire suivant le numéro appelé, modifier le pattern, etc. Donc il y a pas mal d'options possibles. Donc ce sera bien le trunk que je viens de créer. Donc je vais choisir ce trunk-là. Donc quand ce trunk-là va arriver dans mon système, je veux le renvoyer, non pas vers un SVI, je vais le renvoyer vers un poste interne, en l'occurrence le poste mail. Je pourrais l'envoyer sur un groupe de postes si je l'ai créé en tant que tel. Voilà, donc là je vais sauvegarder ça. Donc là maintenant on voit Default Inbound, donc la destination c'est un poste interne. Ici. Et pareil pour le routage sortant. Donc là, le défaut pour le sortant. Donc là, pareil, on va modifier certains paramètres. Donc vous avez la numérotation. Donc cette numérotation-là indique forcément que n'importe quel numéro peut sortir. On va lui faire utiliser notre trunk qu'on a créé, donc notre trunk test. Là, vous voyez qu'actuellement, ceux qui peuvent l'utiliser, ben, c'est toutes les extensions. Pourrait spécifier certaines d'entre elles. Voilà, moi, je veux juste l'extension 1000. Voilà. On peut aussi modifier en condition de temps, si c'est le jour, la nuit, etc. Donc, comme n'importe quel PBX, on peut faire ces modifications-là. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, on n'oublie pas de d'appliquer les modifications. Voilà, le système se charge. Et voilà. Donc maintenant, si je fais donc le numéro à partir de mon téléphone, donc là je vais juste remodifier l'image, je vais le remettre. Voilà, donc là j'ai mon fond vide ici. Donc je vais faire mon numéro à moi, 514 20. Okay. Donc là, je vois bien que je reçois un appel en haut. Donc j'ai bien l'appel qui arrive sur mon téléphone, aussi simplement que ça. J'imagine pas. Peut-être que je le montre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc j'ai bien l'appel qui s'est fait vers mon système en sortant. De la même façon, si je fais appeler le numéro, voilà, mon fanville sonne à côté de moi. Donc l'appel entrant est bien aiguillé vers mon poste 1000. Donc voilà pour la configuration, je dirais, assez basique d'un téléphone, d'un trunk avec un YesStar P-Series. Donc ça fonctionne de la même façon pour n'importe quel P-Series, que ce soit cloud, que ce soit software, que ce soit peu importe je dirais le hardware qui sera derrière, la configuration sera la même. Donc ben, tout simplement, vous pourrez revenir à cette vidéo.
à n'importe quel moment pour voir le détail si jamais vous avez loupé certaines choses. Donc, si vous avez des questions pour moi, mais on peut passer un petit peu de temps sur des questions. Sinon, ben, on va pouvoir mettre ça. Évidemment, vous pourrez vous abonner à notre chaîne YouTube, hop, ici en haut. Vous avez le lien pour vous connecter. La vidéo sera aussi disponible sur le YouTube. Donc, à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer aujourd'hui? Parce que c'est basique, hein, on va s'entendre, mais il peut y avoir d'autres questions. Oui, WAN et LAN. Donc, oui, le système est compatible WAN et LAN. Alors, à savoir que si vous utilisez les deux en même temps, il y a un petit, il y aura une partie de routage à faire dans le système. Basiquement, la raison principale du WAN et du LAN en même temps, c'est puisque dans certains pays, les trunks IP sont fournis pardon sur des lignes spécialisées. Donc vous pouvez pas connecter le LAN et avoir le trunk sur le LAN. C'est pas notre cas ici au Canada, mais bon, il y a certains pays qui sont un peu plus sécurisés, je dirais, sur l'Internet, pour être gentil, et donc du coup qui forcent l'utilisation du WAN et du LAN en même temps. Mais à vous de voir si vous préférez utiliser le WAN ou le LAN. Bon, les deux fonctionnent de la même façon. Hein. Au final, l'un ou l'autre, c'est comme vous souhaitez. Application mobile. Oui, donc l'application mobile est téléchargeable sur le. Donc elle s'appelle LinkUS. LinkUS. Puis vous pouvez la télécharger gratuitement sur n'importe quelle application, sur n'importe quel marché d'application, que ce soit Android ou iOS. Tant que c'est un Android ou un iOS, ça fonctionnera. C'est quand même la globalité du marché de téléphone. Et surtout, il faut que vous ayez, pour la partie configuration, il faut que vous ayez une puce NFC dans votre téléphone. Sinon, vous ne serez pas capable de faire Bon, tous les téléphones aujourd'hui, les plus récents en tout cas, ont la puce NFC intégrée. Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Très bien. Bon, mais voilà pour la présentation rapide, mais d'une installation pour un YesTarPie Series. Si jamais ben, vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à nous joindre ici, info@global.ca, support@global.ca. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube. On sera ravi de pouvoir vous aider et bien sûr le site global.ca pour n'importe quelle commande. Voilà, ben, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Puis ben, je vous dis à rendez-vous la prochaine vidéo qui aura lieu, je ne sais pas quand, mais on vous fera suivre un lien, encore une fois, une infolettre pour pouvoir vous enregistrer. Et puis ben, voilà, ben, en attendant, ben, portez-vous bien. Puis rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.